Bienvenue à chacun. Voilà encore une occasion de se réjouir d'être ensemble malgré les circonstances. Le Seigneur nous réunit ce matin et je suis sûr est attentif à nos paroles, à nos pensées aussi. Comme chaque jour, du reste c'est vrai, mais voilà, c'est un jour où nous sommes réunis et où nous marquons l'existence de la communauté du Seigneur, du corps de Christ dans ce lieu. Ce matin, nous allons commencer par une lecture choisie dans les psaumes, au numéro 67. Il y aura plusieurs lectures extraites de ce livre dans ce moment que nous partageons ensemble. Donc, ce psaume exprime largement le sentiment des croyants quand ils comprennent que par la foi, quelles seront les conséquences de l'action de Dieu à leur égard, mais aussi pour le monde entier. Donc, leur Rédempteur sera le Dieu de toute la terre. Psaume 67, verset 1. Au chef de chœur, psaume à chanter avec accompagnement d'instruments à cordes, cantique. Que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous bénisse, qu'il nous regarde avec bonté, afin que sur la terre on reconnaisse comment tu interviens et que chez tous les peuples on voit comment tu sauves. Que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples t'adressent leurs louanges, que les nations jubilent et qu'elles crient de joie, car tu gouvernes les peuples selon la droiture et tu conduis les nations de la terre. Que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples t'adressent leurs louanges. La terre a produit ses récoltes, Dieu, notre Père, nous a bénis. Oui, que Dieu nous bénisse et qu'on le craigne jusqu'aux confins du monde. Adorons ensemble notre Dieu qui nous unit et dont le désir avoué que les gens du monde, justement, dont le psalmiste parle, eh bien les gens du monde entier se tournent vers lui pour leur salut. Nous chantons ensemble, ensemble, nous pouvons chanter. Et proclamer l'amour de Dieu.
celui qui nous a réunis. Prenez place, élevez nos voix, adorez celui qui nous a réunis, proclamez l'amour que Dieu met dans nos vies. Voilà, c'est un acte ou ce sont des actes qui nous relient aux chrétiens du monde entier. C'est ce que nous partageons tous ensemble. Et quand je dis cela, finalement, dans notre esprit, on pense souvent déjà aux chrétiens qui se réunissent aujourd'hui, à chaque heure de ce jour, dans notre monde. En fait, nous formons un seul corps avec les croyants du monde entier, quel que soit l'espace dans lequel ils se trouvent, et aussi quel que soit le temps dans lequel ils vivent. Je veux dire que le corps du Christ ne date pas des années, je vais vexer personne, 1940, 1950 ou 1980. Non, le corps du Christ, il est là, c'est le corps du Seigneur, c'est l'ensemble de tous les croyants qui ont vécu déjà sur cette terre, et l'ensemble aussi de ceux que nous ne connaissons pas encore, qui vont être en quelque sorte ceux auxquels nous allons transmettre notre foi, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Voilà le corps de Christ. Nous formons donc un seul corps, beaucoup plus vaste que nous ne pouvons l'imaginer. Et dans le livre des psaumes, il y a toute une série, vers les psaumes 120, 130, qui sont appelés les psaumes des montées, ou les psaumes des pèlerinages, il y a plusieurs noms. Ce sont des cantiques chantés justement pendant les pèlerinages vers la ville de Jérusalem, pour les grandes fêtes annuelles, pendant que l'on montait donc vers la ville sainte située sur une colline, d'où le psaume des montées, l'expression. Et parmi ceux-là, il y a les psaumes 134 et 135. Je demanderai à Simone de bien vouloir nous lire ces quelques versets. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Bénissez l'Éternel, vous tous qui servez l'Éternel. Oui, vous qui vous tenez tout au long de la nuit dans le temple de l'Éternel. Levez vos mains vers le lieu saint pour bénir l'Éternel. Que de Sion l'Éternel te bénisse, lui qui a fait le ciel aussi bien que la terre. Louez l'Éternel, oui, louez l'Éternel. Louez-le, vous, les serviteurs de l'Éternel. Vous qui vous tenez dans le temple de l'Éternel, dans les parvis de la demeure de notre Dieu. Oui, louez l'Éternel, car l'Éternel est bon, et célébrez-le en musique, car il est digne d'être aimé. Célébrez l'Éternel. Je vous propose de vous lever à nouveau et de chanter ensemble ce cantique. Offrons au Seigneur reconnaissance, car son amour ne durera jamais. Son amour dure à jamais, chantons.
28, versets 7 à 9, nous pouvons rester debout. L'Éternel est ma force, mon bouclier. En lui, je me confie. Il vient à mon secours. Aussi, mon cœur bondit de joie. Je veux chanter pour le louer. L'Éternel est la force de tous les siens. Il est la forteresse où le roi qui a reçu l'onction de sa part trouve la délivrance. Ô Éternel, sauve ton peuple et bénis-le. Il est ton patrimoine. Sois son berger et prends soin de lui pour toujours. Nous chantons « Mon secours est en toi ». Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Mon espoir, ton chemin, mon...
mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut. Dieu créateur, Dieu fidèle, Dieu fort, Dieu sauveur. L'histoire du peuple de Dieu nous le rappelle et nous l'avons chanté nous-mêmes, nous le croyons, nous louons le Seigneur et nous le présentons au monde. Je vais vous lire un extrait de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens et après cette lecture, je vous proposerai d'avoir un moment de prière. Parole de Paul, ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre prédication, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Et ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste, et non notre propre capacité. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresses, et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Oui, nous portons toujours et en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi rendue manifeste par notre corps. Car sans cesse, nous qui vivons, nous sommes exposés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi rendue manifeste dans notre corps mortel. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en nous. Nous sommes animés de ce même esprit de foi dont il est question dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que Dieu qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Louons le Seigneur, prions. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta parole et ce sentiment de sécurité que nous avons en nous lorsque nous l'entendons, lorsque nous prenons conscience, Seigneur, lorsque nous rappelons que tu es le Dieu Tout-Puissant qui t'est donné au monde dans la personne de ton Fils Jésus. Merci pour ce qu'il a accompli et pour le projet que tu as formé d'avance pour nous. Merci Seigneur pour cette promesse de résurrection. Amen.
parole est la véritable. Il est toujours la même, Jésus. Tu ne changes pas, Seigneur. Oh Jésus, merci, Seigneur. Merci, Jésus. À toi vient toute la gloire et la puissance, Jésus. Amen, Jésus. Amen. Amen. Sois béni, Seigneur, pour ta présence dans ce monde, pour le salut que tu nous as apporté. Et nous nous souvenons, Seigneur, que tu as dit aussi personnellement que tu voulais qu'aucun ne périsse, mais que tous aient la vie éternelle. C'est là notre souhait le plus sincère aussi, que nous voulons exprimer avec toi. Alors merci, Seigneur, pour la vie que tu nous as donnée. Et nous nous attendons aussi à ce que beaucoup entendent ta parole et se tournent vers toi. Amen. Et ce qui est saisissant, vous l'avez peut-être compris, entendu, perçu, je ne sais pas, en écoutant ces lectures que nous avons eues ensemble, c'est le contraste entre la puissance de Dieu, sa force, l'ampleur de ce qu'il a créé, d'un côté, et de l'autre côté, notre fragilité à nous, notre dépendance, finalement, notre dépendance
de Dieu. Dieu est notre secours. Nous l'avons lu, nous l'avons chanté. Nous sommes dépendants de Dieu. Ce contraste est apaisé cependant par le fait que Dieu est fidèle, qu'il ne s'isole pas, mais qu'au contraire, il est proche de nous par le Saint-Esprit. Chantons à nouveau ce cantique rédempteur du monde. Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie et ta paix m'inondent. Sois le maître.
aussi pour écouter cette lecture extraite du psaume 31. Mais moi, ô Éternel, je me confie en toi. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis, car ils s'acharnent contre moi. Combien est grande ta bonté, la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent, et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi, au vu de tous les hommes. Nous chantons aussi, pour rendre gloire à Dieu pour sa parole, ce prochain cantique. Merci donc pour ta parole. Rendre gloire à Dieu pour sa parole qu'il nous a révélée, qui est à notre portée, qui nous montre combien il est un Dieu grand, fidèle, puissant avec toute sa création et nous en particulier qui nous sommes donnés à lui. Avant le message qui suit maintenant, je vous propose d'écouter une lecture dans la première épître de Pierre, chapitre 1er. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle, pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux. Vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà, gardons cette lecture en mémoire quelques instants. Aujourd'hui, nous sommes préoccupés et quelquefois nous oublions d'autres choses lorsque les préoccupations sont trop grandes pour nous, que nous avons du mal à vivre à cause de ces préoccupations. Alors évidemment, une fois de plus, j'évoquerai ce célèbre virus. La crise du Covid nous tient toujours en haleine. Il n'y a pas qu'elle, il y a aussi des hommes qui en parlent, qui nous tiennent en haleine, semble-t-il. Une partie des chaises ici, à l'église, sont stockées. Nous sommes ce matin en nombre limité.
d'autres personnes nous écoutent maintenant, que nous saluons, bien sûr, et ou bien nous écouterons plus tard, c'est une expérience étrange que nous vivons en ce moment. Nous n'arrêtons pas de le dire, effectivement. Nous sommes entre l'enclume de la maladie et le marteau des restrictions émises par les autorités et parfois, bien sûr, des restrictions de bon aloi. Nous sommes isolés, plus ou moins, nous sommes confinés, pas vraiment, mais peut-être demain ou les jours suivants. Nous sommes limités dans nos rencontres, souvent, enfermés, parfois, par choix ou par obligation, jusqu'à ce que nous nous évadions dehors quand le plafond nous tombe sur la tête à la maison. Nous sommes connectés souvent, mais un émoji souriant ne remplace pas un fou rire communicatif. Et parfois, on se sent un petit peu en dehors du monde, en dehors de la vie. Dans ce contexte, nous nous rappelons que les chrétiens sont bien censés quand même être séparés. Vous vous souvenez de cette parole de Jésus dans sa dernière prière publique, la prière sacerdotale de Jean 17, quand il nous dit que nous sommes dans le monde, mais que nous n'appartenons pas au monde. Nous ne sommes donc pas du monde, selon la parole de Jésus, mais il ne faut pas le voir négativement. Il s'agit plutôt de veiller à ne pas se laisser contaminer par des choses qui nous rendent captifs. Notre ennemi, ce n'est pas le coronavirus. Notre combat, ce n'est pas contre la chair et le sang non plus, mais contre tout ce qui nous empêche de communier avec Dieu. Dieu tient entre ses mains le vaccin pour notre vie. Il veut que nous venions à lui, que nous soyons en communion avec lui et que nous vivions éternellement avec lui. Le texte biblique sur lequel je voudrais méditer ce matin avec vous se trouve donc aussi dans la première épître de Pierre, chapitre 1, au verset 13 à 16. C'est pourquoi, tenez votre esprit en éveil et faites preuve de modération. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saint dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, « Soyez saints, car je suis saint. » Soyez saints, car je suis saint. Pierre cite ici évidemment le livre du Lévitique. Et c'est le point culminant du passage que nous avons lu, disons de ce premier chapitre, disons. Or le terme saint n'est pas toujours bien compris. Si vous ouvrez un dictionnaire biblique, qui est une bonne chose dans ces cas-là, il est généralement défini, ce terme, par « mis à part pour Dieu ». C'est cela. Un saint, c'est quelqu'un qui est mis à part pour Dieu. Dieu a créé chaque être humain, chacun d'entre nous. Nous appartenons à Dieu d'emblée, au sens où il est notre créateur. Nous ne sommes pas indépendants, donc, par rapport à Dieu, et d'autant moins lorsque nous avons fait acte de foi. Et quatre fois, Dieu parle de l'exigence de la sainteté dans le livre du Lévitique. Je voudrais vous les rappeler. « Je suis l'Éternel, votre Dieu. Comportez-vous en gens saints et soyez saints, car je suis saint. Et ne vous rendez pas impurs par l'une de ces bêtes qui se meuvent à ras de terre. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu. Soyez donc saints, car je suis saint. » Deuxième verset. Lévitique 19:2, parle à toute la communauté des Israélites et dit-leur, soyez saints, car je suis saint. Car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Et puis, troisième verset, en fait, le quatrième verset d'ailleurs, 20:26, vous serez saints pour moi, car moi, l'Éternel, je suis saint, et je vous ai mis à part des autres peuples pour que vous m'apparteniez. Voilà donc les occurrences que nous trouvons dans le livre du Lévitique quant à cette expression « Soyez saints car je suis saint ». Si vous voulez en savoir plus, vous constaterez que ces quatre impératifs
sont encadrés par des lois, par des ordonnances, par des règlements en vigueur sous l'ancienne alliance. Parcourez le livre du Lévitique, vous aurez plein de ces lois devant les yeux. Et donc, tout cela traite de la pureté et de l'impureté, des lois alimentaires, des lois sacrificielles et aussi de la conduite personnelle. Si un Israélite, par exemple, entrait en contact avec quelque chose d'impur, il devait d'abord se purifier afin de pouvoir entrer à nouveau en relation avec Dieu. Le propre n'avait pas le droit d'entrer en contact avec le sale. Dieu a voulu cette séparation entre le propre et le sale. La notion d'Israël devait donc être une nation sainte, reflétant la sainteté de Dieu. Alors qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Puisqu'il est dit que Jésus a accompli la loi en se sacrifiant pour nous, nous n'avons plus besoin, nous, de sacrifice, de sacrifier quoi que ce soit. Et Paul écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 4, « Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Christ est notre justification. La loi ne s'applique donc plus aux chrétiens. Mais néanmoins, nous sommes appelés à la sainteté, nous aussi. Nous l'avons lu. Pierre le répète, il vit bien sous la nouvelle alliance. Nous sommes appelés à la sainteté. Comme si Dieu voulait nous élever à un autre niveau parce qu'il veut entrer en relation avec nous. Et c'est exactement son souhait, en fait. Et plus encore, parce qu'il s'agit d'un impératif que nous avons lu dans la première épître de Pierre. « Soyez saints, dit l'apôtre, soyez saints. » Mais dans une relation, nous savons, par nos mariages et par nos amitiés, par exemple, qu'il faut aussi s'adapter l'un à l'autre. Si nous sommes différents en tout point, cela ne colle pas, les relations deviennent difficiles. Dans nos partenariats, nous devons tous travailler sur nous-mêmes. Dans notre relation avec Dieu, nous devons changer parce que Dieu est parfait, même si nous ne pouvons jamais changer aussi radicalement par notre propre volonté, par nos propres forces. Il y a un déséquilibre dans notre relation avec Dieu et Dieu nous aide à changer afin que nous puissions vivre une vie sanctifiée ou une vie sainte. Cela ne signifie pas que nous sommes meilleurs, que nous sommes au-dessus des autres. Dieu aime chaque personne qu'il a créée, qu'elle croit en Dieu ou pas d'ailleurs, Dieu aime sa création. La seule différence, c'est que les chrétiens ne sont pas condamnés par les faux pas de leur vie. Nous sommes déjà pardonnés de notre culpabilité, de toutes les fautes que nous avons commises, de toutes ces fautes-là dans le passé et celles aussi que nous commettrons dans l'avenir. Parce que Jésus a souffert et qu'il est mort pour cela. Quand nous partageons le pain et le vin aussi régulièrement, nous célébrons non seulement que Jésus est mort pour nos péchés, mais aussi qu'il a triomphé de la mort, qu'il a vaincu notre culpabilité, qu'il a vaincu notre péché, que nous sommes pardonnés maintenant. Et si nous croyons cela, alors nous sommes pardonnés vraiment pour toujours. Et notre culpabilité ne retombera pas sur nous quand nous nous tiendrons un jour devant Dieu et quand nous devrons rendre compte à Dieu de notre vie. Si nous croyons cela, nous avons l'assurance de la vie éternelle. Mais si nous ne le croyons pas, alors pauvre de nous, comme dirait l'apôtre Paul. Alors cela ne nous donne pas quand même l'autorisation de faire tout et n'importe quoi dans notre vie sous prétexte que nous sommes pardonnés en Christ. Tout comme le peuple d'Israël devait refléter la sainteté de Dieu sur terre, eh bien il en va de même pour nous. Il en va de même pour tous les chrétiens. Et cela signifie que notre vie doit être authentique, que notre vie doit être en accord avec l'exigence de sainteté de Dieu. Je vous le répète, Paul utilise un impératif en nous commandant, au nom du Seigneur, d'être saint dans notre vie. Ce n'est pas correct de vivre sa vie comme on l'entend, en prononçant par exemple seulement un verset de temps en temps pour se convaincre que l'on vit dignement sa foi dans le Seigneur, vous l'imaginez bien. Et cela soulève la question suivante. Comment parvenir à cet état de sainteté voulu par le Seigneur? Autrement dit, comment respecter le commandement du Seigneur qui dit « Soyez saints, car je suis saint ». Et comme nous l'avons déjà signalé,
L'Ancien Testament regorge des lois que les Israélites devaient respecter. Et on le voit encore dans les évangiles, d'ailleurs. Il n'y a pas que dans l'Ancien Testament, au sens strict. Aussi, dans les évangiles, on peut voir des lois, ou pas l'examen, mais la présentation, le rappel de lois que les Israélites devaient respecter. Pourquoi ? Parce que c'était encore l'époque de l'Ancienne Alliance, même encore dans les évangiles, jusqu'à ce que le Seigneur soit à la croix, eh bien les Israélites vivaient sous l'Ancienne Alliance. Les pharisiens ont demandé à Jésus, par exemple, quel était le commandement le plus important. Et Jésus a répondu ceci, vous vous en souvenez, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement, dit-il. Et voici le second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Vous avez donc là les deux sujets les plus importants pour notre vie avec Dieu et avec les autres. L'un est aimer Dieu et l'autre aimer votre prochain. Je ne vous apprends rien ce matin, bien sûr. Vous connaissez depuis longtemps ces commandements. Et nous souhaiterions tous parvenir à ce niveau d'obéissance chaque jour. Pourtant, ce n'est pas toujours aussi évident et rapide. Mais lorsque nous nous engageons pleinement avec Dieu, il nous change. Il nous change. Lui nous change. Si nous lisons régulièrement la parole de Dieu, pas comme un texte extérieur, pas comme une lecture obligatoire et rituelle, mais comme un texte qui est véritablement la parole de Dieu qui donne la vie, qui révolutionne la vie, qui transforme la vie, capable de tout bouleverser en nous, eh bien lorsque nous lisons la parole de Dieu, notre vie change. Notre point de vue sur beaucoup de choses change. Nous abandonnons certaines choses. Je reste vague peut-être parce que les expériences individuelles peuvent être multiples et variées. Mais Pierre, parle des passions qui dirigeaient ses lecteurs quand ils étaient ignorants des choses de Dieu. Il parle des passions qu'il voulait voir remplacées par une conduite respectueuse de Dieu. Et puis, il dit ceci, c'est au verset 22, toujours du chapitre 1 de la première épître de Pierre, « Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères et sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur, car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternel de Dieu. En effet, il est écrit, tout homme est pareil à l'herbe et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Or cette parole, c'est l'évangile qui vous a été annoncé. » Bien, ces mots de l'apôtre montrent bien que rien n'est donné ipso facto. Que aimer les autres, quand on relit le verset 22, tu peux le réafficher s'il te plaît, que aimer les autres, eh bien, ce n'est pas automatique dans la vie de chrétien. Ce n'est en rien automatique. Et pourtant, aimer les autres est possible parce que nous sommes nés de la puissance de la parole éternelle de Dieu et qu'elle est une parole d'amour elle-même. Dieu influence notre pensée et nos actions par sa parole. Et c'est heureux, bien sûr, car Dieu nous dit « Change ton attitude, parle autrement, agis différemment » et d'autres choses encore. Ce que tu vis, finalement, ce n'est pas ce que je veux pour ta vie. Néanmoins, nous sommes parfois obstinément réticents et les tentations aussi surgissent dans notre vie. Nous ne sommes pas inattaquables. Il faut pouvoir dire « J'examine et je change par la grâce de Dieu ». Par la puissance de sa parole. Et c'est là que chacun de nous a ses cibles particulières. Pour l'un, des règlements sexuels, pour un autre, l'avidité pour l'argent. Voilà, ce sont les deux péchés que l'on montre du doigt le plus facilement. Mais il y a aussi la soif du pouvoir, il y a l'agressivité, il y a le rejet de l'autre, il y a l'orgueil,
plein d'autres choses encore. Nous avons le choix, finalement. Comme dit auparavant, le thème de la pureté et de l'impureté, c'était un point très important pour les Israélites, et bien pour les chrétiens aussi, pour nous aussi. Il y a du propre et du sale, partout autour de nous et dans notre comportement, dans nos paroles peut-être. Et ce que nous devons combattre, c'est l'impureté dans notre vie. Tenez votre esprit en éveil, faites preuve de modération, mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Voilà ce que nous avons lu dans la première épître de Pierre. Tenez votre esprit en éveil, soyez vigilants, soyez prêts. Faites preuve de modération. Littéralement, c'est quoi? Littéralement, vous le trouverez encore dans quelques traductions anciennes, notamment la seconde 1910, c'est saigner les reins de votre entendement. Saigner, C-E-I-G-N-E-Z, les reins de votre entendement. Une expression moins facile à comprendre, je crois. Hein? Mais se cindre les reins, c'est une image intéressante quand même que les gens de l'époque de Jésus en Orient comprenaient probablement mieux que nous aujourd'hui. À cette époque, les gens portaient de longues robes, mais elles constituaient toujours un obstacle pour travailler ou marcher rapidement. Et c'est pour cette raison qu'ils remontaient un peu la robe sur eux et l'attachaient avec une ceinture autour de la taille. Et de la sorte, ils pouvaient avancer mieux et plus vite. D'ailleurs, souvenez-vous aussi, c'est avec cette précaution-là que les Israélites ont dû manger l'agneau de la Pâque déjà, hein, juste avant de fuir l'Égypte, c'est en Exode 12 je crois. Ils devaient être prêts pour s'échapper et rien ne devait les entraver. Donc ils saignaient aussi leurs reins avec cette ceinture-là pour relever un peu l'habit qu'ils portaient. Et pour nous, faites preuve de modération ou saignez les reins de votre entendement, cela signifie rester agile dans une vie pleine de tentations. Vous pouvez lutter activement contre cela. Quand vous vivez consciemment votre vie dans une relation à Dieu, eh bien, il vous sensibilise lorsque vous êtes confronté à un problème, à une situation où vous devez choisir entre plusieurs solutions possibles, par exemple. Quelle lutte est-ce que je dois mener? Quelle décision dois-je prendre? Comment je dois réfléchir et avancer? Ce sont des questions que nous pouvons nous poser, bien sûr. Est-ce que je suis tenté de choisir le chemin de la libération parce qu'il est plus facile et rapide, celui-là? Est-ce que je me tire d'une situation en mentant? Ou est-ce que je me repose sur Dieu en lui faisant confiance? Est-ce que j'ai une attitude volontariste? Je reviens sur la première lecture que vous avez entendue tout à l'heure prononcée par Nirina. Pourquoi est-ce que j'ai commencé ce message en rappelant ces trois versets du premier chapitre de l'Épître que je vous relis maintenant? Il y a un lien, bien sûr, entre ces versets-là et les autres sur lesquels je médite. « Béni soit Dieu, dit l'apôtre, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ, car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous, dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance, au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. » Alors pourquoi est-ce que j'ai lu ces versets, ou est-ce qu'on vous a lu ces versets, alors que finalement je ne les ai pas commentés du tout, je n'y ai pas fait allusion jusque-là? Eh bien, tout simplement parce que ces exhortations qui sont énoncées par Pierre, on en a vu quelques-unes, hein, nous les avons rappelées ce matin, et puis toutes celles aussi qui suivent dans son épître, elles sont nombreuses. Vous aurez le choix, ou vous les lirez toutes peut-être mieux. Eh bien, sont indissociables de l'affirmation que je viens de rappeler ici en relisant le début de l'Épître, l'affirmation que nous connaissons déjà une vie nouvelle et que nous avons déjà une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ et qu'un héritage nous attend dès à présent dans les cieux. Et voilà qui peut réjouir notre cœur. Alors,
nous avons déjà tout cela. Et ensuite, nous sommes appelés à être saints comme le Seigneur est saint. Mais nous avons déjà tout cela. C'est une promesse énoncée dès les premiers versets de l'Épître. Alors cette considération ne plaira probablement pas aux adeptes d'une théologie à coups de hache, comme on peut lire notamment, ou peut voir, ou écouter sur certains réseaux sociaux, mais cette exigence de sainteté sur la terre, ce n'est pas un fardeau que ceux qui s'estiment parfaits déjà peuvent imposer à ceux qu'ils estiment pécheurs. D'ailleurs, l'apôtre Jean, dans sa première épître, dit que personne ne peut se prévaloir d'être sans péché. Si vous lisez cela, faites bien attention. Si quelqu'un revendique d'être sans péché, souvenez-vous de cette parole. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Nous devons avancer sur le chemin de la sainteté. Cette parole reste. Cette exigence est de Dieu, elle est légitime, mais nous devons aussi compter sur la miséricorde de Dieu et pas sur nos performances personnelles. Alors ce n'est pas lui qui fait tout, hein, bien sûr, mais il le fait avec nous, il le fait avec nous. Il est présent avec nous dans les changements que nous voulons opérer dans notre vie. Dieu veut la pureté pour toute notre vie et il veut toute notre vie. Nous ne connaîtrons jamais la plénitude de la sainteté et des bénédictions de Dieu pour notre vie si nous rejetons Dieu dans certaines parties de notre vie. Et le psalmiste dit ceci, « Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. » Le psaume 139, célèbre psaume 139, j'allais dire. Déposez donc votre vie aux pieds de Dieu, et il vous montrera les choses dans votre vie qui vous éloignent de lui. Et si cela tourne encore mal, quand j'aurai à nouveau succombé à la tentation, serais-je honteux au point de ne pas oser me présenter devant Dieu? Eh bien, être saint, ça ne veut pas dire être sans péché. La sainteté, c'est ma relation avec Dieu. Il ne nous rejette pas. J'ai souvent cité, il y a quelques mois, cette parole de Jérémie qui, du fond de sa détresse, il était persécuté même par son propre peuple, bien comparaissait Dieu à une source trompeuse au débit capricieux. C'est ce qu'il disait dans sa parole. « Tu es pour moi comme une source trompeuse au débit capricieux. » Et le Seigneur lui dit, « Si tu reviens à moi, je te rétablirai, Jérémie 15. » Si tu reviens à moi, je te rétablirai, tu pourras te tenir à mon service. C'est la parole de Dieu suite à la parole de Jérémie. Nous pouvons donc revenir vers Dieu et lui avouer notre culpabilité. Il nous purifie, Dieu nous pardonne, nous ne perdons pas notre sainteté. Nous sommes toujours mis à part pour Dieu. Et c'est vrai que nous péchons encore quelquefois. Nous ne perdons pas notre sainteté pour autant. C'est la grâce. C'est ça la grâce. Et nous pouvons compter entièrement sur cette grâce parce que Jésus est allé à la croix et a payé notre dette pour notre culpabilité. Et nous sommes si précieux pour Dieu qu'il ne veut pas que nous soyons perdus. Il veut nous donner la vie éternelle. Jésus dit, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne pourra les arracher de ma main. » Personne ne pourra les arracher de ma main. Reste cette parole que nous entendons encore aujourd'hui et qui nous réjouit parce qu'elle suscite en nous l'assurance de la proximité avec Dieu. Soyez saints, car je suis saint. Nous prions. Seigneur, merci d'avoir sanctifié notre vie. Merci de ne pas être un Dieu inaccessible, mais de nous vouloir proches de toi.
Connais mon cœur, Seigneur, examine-moi et dis-moi ce qui ne te rend pas gloire dans ma vie et ce sur quoi je dois travailler. J'ai besoin de ton aide, Seigneur, parce que je ne peux pas éliminer ces faiblesses par moi-même. Accorde-nous à tous, Seigneur, ce matin, ta miséricorde. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est intéressant de revoir de temps en temps quelques impératifs, je trouve. Alors il y avait « Soyez remplis de l'Esprit » que j'avais signalé il y a 2 ou 3 semaines. « Soyez remplis de l'Esprit ». Ce matin, j'ai pensé donc réfléchir sur cette phrase, ce commandement. « Soyez saints car je suis saint ». Il y en a d'autres également. Vous pourrez les rechercher, les « soyez », les impératifs, tout ce qu'on n'aime pas entendre, hein. En général, depuis notre jeunesse, hein, on a eu des parents, les uns et les autres, la plupart, et ils avaient une tendance certaine à utiliser des impératifs comme ça qui nous ennuyaient énormément. Bien, c'est pareil, hein, des fois, lorsqu'on lit la parole de Dieu, ces impératifs-là, peut-être pour les autres, mais pas trop pour moi. Bien, il y en a un autre, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Nous verrons ça la prochaine fois. Ce moment de culte va toucher à sa fin et ce que je voudrais vous partager maintenant avec vous simplement, c'est les annonces pour les activités dans la semaine qui vient. Voilà, donc les jeunes... Je te regarde, José, quand je dis les jeunes, je ne sais pas si c'est de bon aloi. Tu restes avec eux, en tout cas ? D'accord, à 12h. Le 2 février, réunion du conseil de la main tendue à 18... non, c'est pas... Qui est-ce qui est du conseil ? C'est pas une réunion publique, enfin, c'est pas pour tout le conseil. Non, d'accord, c'est... Elle commence à s'affoler, là, Sandrine, t'inquiète. Non, non, t'inquiète, c'est moi qui vais parler avec Anne le Pape et on va parler de statut. Ça va me changer beaucoup parce qu'on a eu... Bref. C'est très réjouissant ces rencontres pour parler des statuts des associations. On rit beaucoup. Donc le 2 février, ça n'empêche que nous aurons une halte prière par Skype à 18h. Et à la suite, en fait, à 20h15, le groupe de Maison Ouest, en visioconférence. Mercredi 3 février à 15h, formation biblique, credo 1. Et voilà, l'autre n'est pas encore inscrite, mais j'aurai un credo 2 à te communiquer aussi cette semaine-là, si jamais quelqu'un qui est concerné est à l'écoute. Jeudi après-midi, le 4 février, il y a une étude biblique ici même, avec le petit groupe qui se réunit là le jeudi. Donc ça, c'est maintenu. Vendredi matin, à 10h, il y a l'AFG. C'est toujours, c'est bon. Et puis, nous aurons peut-être une répétition pour les chants de dimanche prochain, samedi après-midi. Et nous avons aussi une rencontre avec le visiteur synodal, donc Frédéric Hubeau, qui est de l'église évangélique libre de Melun, en région parisienne, à l'ouest, et qui viendra nous rendre visite. Nous avons donc un pasteur qui vient nous rendre visite une fois tous les 2 ans, pas trop, pour prendre un peu la température de l'assemblée et avoir des discussions en particulier avec le conseil et le pasteur. Et puis il sera là également le lendemain, c'est lui qui apportera la prédication. Eh bien, je vous propose de vous lever et de chanter ensemble le cantique 717, « Tu es merveilleux ».
n'es comme toi, Dieu puissant éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient, tu corriges et conduis toujours. Pour nous aider, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour. Sa paix, il nous donne sa joie. Soyons saints, car il est saint. Amen. Bon dimanche, à bientôt.